demain, c'est la journée mondiale des océans. Il y a 140 pays qui participent à cette journée-là. Donc, il va y avoir pas mal de villes où, où on fait des marches. Et donc, c'est à l'initiative de Surfrider Europe qui organise aussi une marche demain à Paris. Nous, on s'est joint à cette initiative-là parce qu'on estime que les îles sont beaucoup plus impactées par la problématique des océans que des grandes villes comme Paris, par exemple. La problématique, elle est très simple. C'est-à-dire qu'il y a les problèmes de surpêche, de l'érosion côtière, les problèmes de climat, qui provoquent la montée des eaux, etc. etc. Il y a multiples problèmes dans les îles. Donc on a estimé qu'il était important de faire une marche de sensibilisation par rapport à toute cette problématique-là. Donc la marche, elle part demain matin. Le rassemblement se fait à la marina de Gosier sur le grand parking devant la petite supérette, là. Et après, on marche jusqu'au Memorial Act. Alors, la marche est là pour objectif de sensibiliser la population locale aux problèmes de l'océan. Et là aussi, l'objectif de sensibiliser les pouvoirs publics. C'est pour ça qu'on arrive à Memorial Act, qui appartient à la région. Donc, sensibiliser des pouvoirs publics par rapport à tous les dispositifs qui doivent être pris en ce qui concerne, par exemple, les sargasses, l'érosion côtière, les problèmes de la mangrove, etc. etc. Vous regardez ETV.